Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport. Bienvenue dans ce samedi football et samedi des Lions du Sénégal. Donc, alhamdoulilah, deuxième victoire de la saison pour le FCMS. Donc, le FCMS, FSA Colonie Sénégalaise. Donc, nous sommes Ibrahima Niane, Pam Diagueyad, Opanguet. Donc, Niane et Pam Diagueyad, donc Opanguet étaient titulaires hein, face à Nice. Donc, ils sont imposés un but à 0 avec un but de 111. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Pam Rassa Douna remplaçant à la place de donc Opanguet 64 minutes de jeu, Ibrahima Niane Guène, May Plassam, Joseph. Donc gis nañ vraiment les Sénégalais ont participé à cette victoire très très importante du FC Metz. Lamine Gueye aussi duguna remplaçant donc Salif Mbeng Ahmed. Donc mom Amadou Salif Mbeng dugul, il n'a pas joué, donc il est resté sur le banc de touche. Pam Diagueyad ne figurait pas sur la feuille de match. Donc lool mo nékkone donc l'information de taille. Donc Metz gagné nañ. Donc ça c'est une très bonne nouvelle parce que Metz il galéré en championnat. Donc c'est un début de championnat maintenant notre. Actuellement, nous sommes d'arrêt avec 12 points, Saint-Étienne 12 points, Clermont 13 points. Donc la lutte pour le maintien reste toujours ouverte pour le FC Metz. Donc nous avons aussi Fulham en Angleterre, Sadio Mané et Liverpool ont broyé ça son ton. Donc Sadio Mané donc n'a pas eu pitié de son ancienne équipe, 4-0 le Liverpool d'or avec un doublé de Diogo Jota, le remplaçant de Firmino, ou bien celui qui a pris la place de Firmino, est actuellement en pleine forme. Donc Diogo Jota, Sadio Mané a participé donc à l'ouverture du score, Monte Carlo Robertson, Robertson centré donc à bout portant pour Diogo Jota, deuxième but aussi centre de Salah pour Diogo Jota. Donc vraiment les petits Africains qui vont disputer le petit tournoi comme Nico Colboré, donc permettent encore à Liverpool de s'imposer et de rester au taquet donc par rapport aux Blues de Chelsea, la meilleure équipe actuellement au monde, équipe magique Chelsea, équipe mondiale Chelsea. Donc ñom ibu koy terang ma indi bëggé bu baaxa baaxa ba Chelsea qui va en découdre demain, ça sera le grand choc de cette journée de Premier League. 16h30 GMT, Chelsea va accueillir Manchester United. Donc fallait ci Espagne, Barça gagne, une très bonne nouvelle hein, l'équipe de Pape Lay Camara. Donc vraiment c'est imposé, deuxième victoire en championnat pour Xavi Hernandez. Donc 3-1 avec Memphis Depay qui a libéré le Barça avant que Coutinho ne marque le but de la victoire pour donc le FC Barcelone sur penalty. Donc fallait ci Italie, Juve donc dañ ko fekk dor ko comme ni ko Mohamed Fay waxe, la Juve a subi le coup d'arrêt de Duvan Zapata, l'international donc colombien a mystifié la Juve de Turin 1-0. Donc Juve actuellement dans une maguette, donc faut la limite. Donc Juve actuellement ils n'ont plus le poids, c'est une équipe d'orgue, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas de star, donc il n'y a pas de talent. Donc l'équipe nationale, l'équipe de la Juve est actuellement donc vraiment donc aux abois du côté de la Serie A. Donc Inter Modor 2-0 donc avec un but de Lautaro Martinez. Donc Inter mon nous en pleine forme, fallait Allemagne Bayern de Dortmund Bayern 1-0 le d'or avec un but du gaucher donc germano sénégalais Leroy Sané, donc qui a donc permis au Bayern de s'imposer 1-0. Donc Dortmund Modor Wolfsburg 3-1 avec le retour de Erling Haaland dafa tok près 6 semaines jeul mu ñew après 8 minutes il marque son but. Donc c'est pour dire que Erling Haaland c'est un très grand buteur, xalé la ta soxorna à 21 ans, c'est le plus jeune joueur de Bundesliga à atteindre 50 buts, c'est très clair. Donc c'est pour dire que il bat les records. Donc Haaland en Bundesliga c'est 50 buts en 50 matchs, donc sur 5 matchs il a un but. Donc Haaland amul morom ben la fi, c'est le très haut niveau. Donc vraiment donc on a assisté à une très belle donc vraiment journée de football. Mais Sénégal aussi, les mauvaises nouvelles s'enfoncent. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent, autant pour moi, parce que Kerpen Diata est forfait pour la CAN, ligament et mon problème genou. Gis nañu aussi, donc Ismaël Sarr était blessé face à Manchester United, il est forfait pour demain face à Leicester. Bouna Sarr est forfait aussi. En Ligue des Champions, il s'est blessé, donc il sera forfait donc, pendant 3 semaines, alors qu'on est à peu près à 1 mois, 5 jours de la CAN. Donc ça peut créer des problèmes pour Aliou Cissé. Donc Bouna Sarr blessé 3 semaines, Ismaël Sarr incertain. Donc est-ce que leur blessure ne va pas entraver donc vraiment leur sélection pour la CAN? Donc est-ce que c'est une blessure de leur indique Aïe Jaffé pour nous participer à la CAN? En tout cas, nous avons vraiment donc blessure et bagnène sonal pour que nous participer à la CAN. En tout cas, avec ce début de saison, avec l'enchaînement des matchs, possibilité pour nous blesser des yombes. Donc nous avons donc protéger sur nos lions parce qu'on doit aller
gagné la CAN 2022 fi Sénégal Dakar Sacré-Cœur donc Pikine 1 but partout Tengue Diambar 0 but partout ndam demul ndam deku gis nañ Aliou Cissé a regardé la rencontre donc participer na ci rencontre bi donc Jaraf Linguère 2 buts à 0 Mbour Petite Côte donc Casasport 0 but partout donc gis nañ Jaraf donc mom rek mo am victoire ci Ligue 1 bi ci samedi bi donc avec un but de Bouli Junior Sampou donc ancien joueur donc de Tengue FC fele ci donc deuxième division Sonacos bu Amadou Kane L'huilier, donc devenu le zéro partout avec Wildan Boutiès, Kermadior, Bou Dembaka, Mankebe Ouba, le grand donc, patron, Monsieur le maire de Mbour, Dembaka, Modor Amitié FC, 4 buts, Zadeux, donc c'est pour dire que le championnat aussi, ça chauffe. Hein. Et on espère que cette saison, donc vraiment, le public sera de retour. Parce qu'actuellement, début championnat, le public est de 17 ans avec le club. Donc on espère que sponsor Nengyo, comme ça, le pouvoir sénégalais pourrait retrouver son lustre d'antan comme année 2000 bi jar GIA di dem ay demi finale coupe d'Afrique des nations des clubs donc c'est pour dire que vraiment donc ligue ñom djibli wad il veut avoir un très grand travail pour que sénégalais mëna bëggat sen championnat parce que bu équipe nationale degré donc club aussi dañuy bax donc Alice pose nañ ko question par rapport aux déclarations de Jurgen Klopp mune Klopp limu wax ci kaw mom l'entraîneur toy yeup di xalat ci souf te il a raison parce que il veut pas que nos joueurs viennent jouer ici en Afrique alors que ce sont des Africains. Donc Klopp, vraiment, Diomaye Camara l'a bien remis à sa place et ça c'est de très bonne guerre. Donc lolo aussi lern nañ. Donc Sampaoli gagne en Bambadien des raté lu bari mais Sampaoli néna Bambadien a beaucoup mis en difficulté la défense de Galatasaray. Néna Bambadien sonal la défense Galatasaray. Il a eu beaucoup d'occasions, néna am occasion yu bari mais n'est pas parvenu à marquer mais jotul dougal. Il continue d'apprendre, néna muy konné di jang. Il a un très bon avenir devant lui. Il a un avenir bu baax baax baax, avenir bu donc radieux, avenir bu rafet. Donc ci kanamam, donc xalé la te il a donc tout l'avenir devant lui. Donc ça c'est un très bon témoignage donc de donc Sampaoli pour donc Cheikh Amadou Bamba Dieng. Donc CAF nak d'accord nañ. Lolu na def ça direct ñu mënte waxtan. CAF d'accord nañ pour mondial tous les 2 ans. Donc CAF d'accord nañ pour nous def mondial tous les 2 ans parce que FIFA mo bëgg indi lool chaque 2 ans nous jouer coupe du monde club yi yu bari ak joueur yi dañ ko bañ parce néna ñom du ay machine parce chaque 2 ans nga bëgg jouer ay coupe du monde ay coupe d'Afrique Ligue des Champions c'est comme si joueur ay machine lañ té lool baaxu pour sen santé mais CAF ñom d'accord nañ parce que CAF FIFA lu mu wax rek ñu né gongo donc ñom mom donc sont entre guillemets des marionnettes de la FIFA donc deug neexul deug du rombi nopp donc ma ngi bëggé ba dañ jox di dajé demain pour le dimanche football avec Grégoire quand c'est important c'est sûr Grégoire Omnisport Mondial Sport leader de l'équipe au Sénégal moi il proposer les blousons de l'équipe nationale du Sénégal des blousons à 20000 francs 20000 francs lay jar voici les trois tuniques ñom ñu ngi gisé amna gris blanc amna gris clair amna vert donc vert jaune mu ngi non donc blousons yi c'est à 20000 francs des blousons de très haute qualité kan ba ngi ñew sédai ba ngi ñew jël len blouson yi supporter l'équipe nationale du Sénégal avec Mondial Sport c'est la qualité garantie donc sont les blousons c'est à 20000 francs maillot ya ngi néa donc les maillots c'est à 10000 francs donc Mondial Sport leader de l'équipe manchée au Sénégal 77 666 0395 77 059 99 84